Salut Yann. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va pas trop mal. Ça se passe bien toi ces derniers temps là avec la Servette FC? Tu retrouves une place de titulaire? Comment tu te sens? Bah, premièrement, je me sens bien. J'ai retrouvé déjà ma place de titulaire, surtout à mon poste préférentiel. Parce que c'est vrai que pendant mes 2 premières années, j'ai joué, voire mes 3 premières années avec le Servette, j'ai joué latéral gauche. On va repartir un petit peu en arrière. Tes débuts dans le foot, ça se passe comment? À quel âge? J'ai commencé à 6 ans via mon père parce que bah, il a toujours été dans le football. Donc il m'a transmis ça et j'ai commencé le foot à l'Île d'Abo, dans le Nord-Isère, à 25 minutes de Lyon. Après, je suis parti dans le club phare de la région à Bourgoin-Jallieu, qui était en partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Et puis après, par la suite, j'ai été donc repéré par l'Olympique Lyonnais à mes 14 ans. Donc je fais 2 ans à Lyon. Après, je viens dans la région, en Haute-Savoie, à Évian-Thonon-Gaillard, pendant 1 an et demi. Où ça se passe très bien. Je joue avec la catégorie, avec les 96, donc il y avait 1 an de plus que moi. Et puis bah là, je suis repéré par la Juve et j'y fais 3 saisons et demie en Italie. Qu'est-ce que ça fait de se dire que tu es relativement jeune, hein, tu as 24 ans, mais d'avoir finalement tout ce background footballistique dans d'énormes clubs, quoi, la Juventus, l'Olympique Lyonnais, c'est quelque chose qui compte pour toi aujourd'hui? Bien sûr, c'est des expériences qui à l'heure d'aujourd'hui me servent. Je suis parti très jeune en Italie à 16 ans, sans papa, sans maman. Donc c'est sûr qu'au début c'était compliqué. Mais en tout cas, c'est des très bonnes expériences. La Juventus, tu touches du doigt l'équipe première, à un moment tu t'entraînes avec eux, comment ça se passe? Oui, alors dès mes 17 ans, déjà, je commence à faire quelques entraînements avec l'équipe première. Après, malheureusement, j'ai eu une grave blessure au ligament croisé qui m'a stoppé un peu dans mon élan. Je suis revenu en bonne forme et puis j'ai commencé à m'entraîner presque au quotidien avec l'équipe première. J'ai fait une préparation aussi avec eux en Australie et j'ai eu la chance d'être convoqué avec eux dans le groupe en Champions League. Qu'est-ce que ça fait ça? Quand on commence le football à l'Île d'Abo à 5 ans et que 12 ans après on s'entraîne avec la première équipe de la Juventus, j'imagine que Non, la fierté est immense. bien sûr, c'est une grande fierté, surtout que pour moi, ça allait assez vite. Je suis passé d'Évian-Thonon-Gaillard, qui était, enfin, pour tout le respect que j'ai pour le club, hein, mais qui est un petit club français, à une autre dimension, un des plus grands clubs au monde. Donc c'est sûr que tout est allé très vite pour moi. Mais c'était surtout une grande fierté de pouvoir côtoyer le haut niveau et des stars. Tu pars en Belgique, si je ne dis Oui, pas c'est ça. d'erreur. Pourquoi? Bah, parce que je voulais avoir du temps de jeu dans le milieu, on va dire, adulte. Et je savais qu'à la Juventus, c'était compliqué parce qu'il y avait des joueurs, déjà des très grands joueurs qui ne jouaient pas forcément, qui étaient remplaçants. Donc pour nous, les jeunes, c'était quand même très compliqué de s'y imposer. Et du coup, j'ai préféré partir et aller m'aguerrir, prendre de l'expérience ailleurs. Et il y a eu cette opportunité. Donc le coach de l'époque, De Zulpareghem, m'avait vu jouer en équipe de France et il avait fait le forcing pour que j'aille signer là-bas. La Belgique, le football belge, qu'est-ce que tu apprends là? C'est un football particulier où c'est très physique. Après, moi, j'ai eu du mal à m'adapter. J'étais côté flamand, donc je ne parlais pas la langue. Donc c'est sûr que j'ai passé 1 an et demi très compliqué là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de Français non plus dans l'équipe. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est une expérience, quoi qu'il arrive, qui me sert. Curriculum footballistique, il y a ce passage forcément qui t'a marqué en sélection nationale française avec une génération dorée. Quand tu vois tous les autres noms avec qui tu étais, est-ce que c'est une fierté déjà? Bien sûr, ça a été une fierté de représenter mon pays et j'ai eu la chance. Après, bien sûr qu'on avait une grosse génération avec pas mal de joueurs maintenant qui sont en Ligue des Champions ou dans les grands championnats. Donc oui, c'est une fierté maintenant, moi aussi. Ils sont là-haut, pourquoi pas moi? Donc chacun son parcours. J'ai dû passer peut-être de redescendre certains échelons, mais à moi de travailler pour retrouver le haut niveau. Parle de redescendre des échelons, est-ce que c'est pas finalement aussi formateur, notamment, je pense, mentalement? Est-ce que ça t'a endurci finalement Bien de pas sûr, avoir c'est. cette trajectoire toute tracée comme certains de tes collègues? Bien sûr, après moi je pars du principe où mon père m'a toujours dit aussi, c'est chacun sa trajectoire. Donc ça ne veut pas dire que le meilleur d'aujourd'hui sera le meilleur de demain. Actuellement, j'ai dû passer par Zulpareghem, maintenant par le Servette quand ils étaient en deuxième division. Donc, mais c'est des expériences qui m'ont enrichi, qui m'ont fait du bien mentalement. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça me servira pour la suite. Tu gardes des contacts avec certains joueurs? Oui, j'ai gardé contact avec Martin Terrier qui était à Lyon, qui est maintenant à Rennes. J'ai gardé contact avec Lucas Toussard, qui était aussi en équipe de France avec nous. Et puis c'est surtout ces deux-là avec qui j'ai gardé contact. Paul Bernard Andoni aussi, gardien d'Angers.
Donc voilà. La Ligue 1, c'est un championnat qui t'attire, que tu suis encore régulièrement maintenant ? Oui, la Ligue 1, où moi je suis à peu près tous les championnats. Après, c'est sûr que la Ligue 1, c'est un championnat qui m'attire parce que c'est dans mon pays. Donc c'est un championnat que j'aime beaucoup. Quand tu arrives au Servette, tu as déjà vécu plein de choses dans le foot. Et tu vas vivre aussi au Servette plein de choses avec une première saison pleine, une promotion, une deuxième saison qui est peut-être un petit peu plus compliquée pour toi, la blessure. Et là, tu as de nouveau une deuxième vie au Servette qui recommence. Comment tu t'appréhendes tout ça ? Non, c'est ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ça fait partie d'une carrière. Alors c'est vrai que j'avais fait une bonne première saison avec la promotion, même si je jouais donc pas à mon poste, j'étais latéral gauche, où j'ai fait quand même 24 ou 25 matchs, il me semble, la première saison. Et puis la saison passée, bah, ça a été un peu plus compliqué pour moi. J'ai eu pas mal de blessures, des problèmes physiques. Et puis j'étais aussi en manque de temps de jeu. Et puis cette année, j'ai la chance maintenant de pouvoir m'épanouir et d'évoluer à mon poste préférentiel. Et pour l'instant, ça se passe bien et il faut continuer sur cette lancée. Cette première saison, on va y revenir, la promotion. Est-ce que c'est d'une certaine manière ta plus belle saison dans le football ? Oui, c'est une de mes plus belles saisons parce que à la fin, il y a le titre de champion qui nous permet d'accéder et de ramener le Servette là où il mérite d'être. Après, j'avais vécu aussi, j'avais remporté la Coupe de Belgique avec Zulte, où c'était une très belle expérience. Mais oui, ça fait partie des grandes satisfactions de mon début de carrière. De cette première saison de la promotion, il reste finalement encore aujourd'hui pas mal de joueurs. Vous êtes un groupe de potes, vous êtes comment t'épanouis, je veux dire, hors football aussi, à Genève, avec ce groupe ? Bien sûr, comme je l'avais déjà dit à d'autres personnes, c'est la première fois, moi, dans le milieu du football, où il y a un groupe où je suis dans un groupe qui vit aussi bien. On se voit à l'extérieur, on passe des moments sur la PlayStation ensemble. Vraiment, on est, même hors entraînement, on est souvent ensemble. Il y a vraiment un groupe qui vit bien, et je pense que ça se voit sur le terrain. Comment un joueur de foot vit ces périodes où il y a des blessures, il y a moins de temps de jeu ? Des questions, comment toi t'as vécu la saison passée ? Moi j'ai eu la chance premièrement d'avoir mes proches qui ont été là pour moi, qui m'ont toujours soutenu, que ce soit mes parents, mes amis, mon ex-copine qui ont été là pour moi et qui m'ont permis de ne pas lâcher parce que c'est sûr que c'est des moments très compliqués mentalement et du coup ils m'ont donné de la force pour continuer à me battre et à l'heure d'aujourd'hui j'en suis récompensé. À ce moment-là tu passes dans les mains, comme on dit ici au Servette, de Fred, un joueur de foot blessé au Servette. Quel est son parcours pour revenir sur le terrain ? Déjà, il nous fait beaucoup bosser en salle. On fait beaucoup de renforcement. Alors après, des fois, on le taquine parce qu'on a l'impression qu'il se trompe de programme entre le rugby et le football. Mais en soi, il nous met vite sur pied et avec beaucoup de renforcement, beaucoup de courses pour qu'on soit prêt dès qu'on réintègre le groupe. Le championnat suisse, que tu commences à bien connaître, hein, t'as joué pratiquement contre toutes les équipes de l'élite du football suisse. Quelle est sa particularité ? Comment tu le qualifierais ? Quel est son niveau général par rapport au championnat qui l'entoure ? Moi, je trouve personnellement, c'est un championnat où la plupart des équipes essayent de jouer au football. Je le trouve beaucoup moins physique que, par exemple, la Belgique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipes avec la mentalité allemande. Et on retrouve ça avec le championnat de Bundesliga et avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact sur les deuxièmes ballons. Mais c'est vrai que c'est un championnat pour moi où il y a pas mal d'équipes qui essayent quand même de produire un beau football. C'est un championnat avec Johan Sèvres en dehors du football. Je suis quelqu'un qui aime sortir avec les amis, qui aime jouer à la PlayStation avec les amis ou même avec des collègues de l'équipe. Et je suis quelqu'un d'assez réservé. Tu joues à la PlayStation, notamment à Warzone. Oui. Là aussi, vous tirez un peu la bourre entre coéquipiers ? Ouais, on a un groupe WhatsApp avec les coéquipiers. Il y a Jérémy Frick, Vincent Sasso, Timothée Cogna, Steve Rouillet. Donc on a un groupe, on se rejoint les après-midi pour jouer ensemble. Après, il y en a qui sont un peu plus dans la difficulté que d'autres, mais c'est comme ça, c'est chacun son niveau. Tu penses à qui ? À Christopher Routis, qui était avec nous l'année passée et qui joue souvent avec nous. Donc il en est de progression, mais il a encore un petit retard. Nouveauté à laquelle tu as participé la semaine dernière, le Servette FC propose des playlists de certains de ses joueurs. La semaine dernière, c'était la tienne. Si tu devais la présenter en quelques mots, t'écoutes quel type de musique ? Moi, j'écoute un peu de tout, comme vous avez pu le voir, du rap ou des musiques latines, musique espagnole, j'aime beaucoup. Donc c'est souvent des musiques de ce style-là que je me mets avant les matchs. Ouais. Et dans le vestiaire, qui c'est qui gère le son ? Généralement, c'est le capitaine Sautier.
ou alors Joël Kassimbois qui met aussi quelquefois la musique dans le vestiaire. De la bonne musique, ça te plaît? Ouais, si, ça me plaît. J'aime beaucoup. Après, Nini, des fois, il met des musiques un peu années 80, donc c'est pas trop mon style, mais ça va. Merci, Yann. Merci à vous. Salut, c'est Gaël Clichy. Abonne-toi à la chaîne YouTube Servette.